inciter les gens à prendre le bus. Nous avons lancé la journée à 1 euro aujourd'hui. Nous voulons effectivement améliorer ce service de transport pour les Guadeloupéens et ça se passe bien. C'est une bonne chose. Je prends le bus le mercredi et le vendredi pour aller voir ma mère. Je ne savais pas que c'était ce prix-là. Donc je suis content. On nous a fait payer 1 euro. C'est une bonne chose. Merci la région. C'est très bien. La vie est très chère ici et puis ça nous arrange. La région a raison de faire ça. La région a lancé un grand chantier de rénovation. Il y a eu 4 lots sur la Grande Terre, sur le Nord Basse-Terre, sur la Côte sous le Vent, Pointe Noire, Basse-Terre, et le lot 4 Basse-Terre, Pointe à Pitre. Il était nécessaire quand même que les Guadeloupéens puissent avoir un transport de qualité. La population sera, je pense, satisfaite, puisqu'il y aura des abris tout propres, tout neufs. Vous avez pour la plupart des bus neufs climatisés avec des entrées PMR pour les personnes à mobilité réduite. Donc au niveau des transporteurs, voilà ce qu'on peut faire. Et la région, pour les infrastructures, proposer un meilleur service de main à destination de la population. Les réseaux de transport, il est en pleine évolution, effectivement, notamment le transport interurbain sous l'égide de la région. Et ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, arriver à bien communiquer, bien informer sur les lignes, les horaires, les solutions d'abonnement, de tarification. Ça représente pour nous une action importante. Déjà, expliquer ce que c'est le transport interurbain qui est de la compétence de la région et l'urbain qui est de la compétence des communautés d'agglomération. Et aussi, rappeler aux usagers qu'avant, Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, c'était 8-10 euros. Aujourd'hui, c'est 3 euros. C'est 25 millions qu'on ingère dans le transport parce que si l'usager paie 3 euros, il faut savoir que nous compensons la différence. En matière de transport scolaire aussi, nous avons un gros travail avec la communauté d'Aglo. J'aimerais que M. Lozac puisse finir d'en parler. C'est lui qui travaille tous les jours dessus. Voilà. Je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a le transport des passagers, il y a aussi le transport des élèves. Donc, il faut le maillage entre le transport scolaire. Et pour cela, la seule solution reste qu'il faut avoir l'autorité unique. Tant que ça ne sera pas comme ça, ça ne marchera pas. Une dernière chose hein, pour le dire sur le bus des mers aussi. Je rappelle que la région a acheté les bus, a mis les bus à la disposition du syndicat mixte de transport qui doit lancer une délégation de service public. Maintenant, on attend les marins pour pouvoir lancer cette DSP, mais ce n'est pas la région nous a acheté les bouillots. De même que nous pensons aussi à l'avenir pour soulager les transporteurs, acheter 200 bus, mettre à leur disposition et ça nous permettra de diminuer le coût de dépenses des transporteurs pour améliorer leur réseau routier.